Putain, le système là avec notre putain de bar, vous voyez qu'il est trop beau notre bar. On a rafle des chaises, de l'illumination. Et vous pouvez voir que ici, quand on appuie sur l'intention, oh, on gagne une bouteille d'eau. Voilà, donc ça s'appelle la violence. Le système, c'est très simple, hein. Tu poses deux blocs. Enfin, tu fais ça. Là-dessus, tu mets ça. Tu vois, et donc quand tu allumes, ça fait du courant. Donc tu prolonges ton circuit, tu vois. Donc, et c'est sur la ligne. Oui, ouais, bah, tiens, reste à petit. Et c'est, tu auras ton putain de distributeur. Hein, dropper, plutôt, parce que hein, j'ai fait l'erreur, moi. Tu fais un dropper, comme ça, tu vois. Ouais, et c'est, tu rallonges de 1. Tu remets 1. Encore. 1. Tu vois, pour que ça fasse comme ça, tu vois, donc ça fait comme ça, voilà, et donc, puis tu fais comme ça, tu vois, pas moyen. en pareil, tu fais, et puis tu fais ça, Ah oui. voilà, et pour être sûr, tu fais ça, tu vois, bah, t'es sûr que ça marche, Non, t'as peut-être un peu. bah, j'ai dit que ça marchait, tu vois, Là, ça ne me marche prends pas. pas pour un con. Oh! Preuve, je rajoute une vitre dans le dropper et l'eau va se mettre sur la plaque de pression et enlever ses œufs. Bon, voilà, vous allez voir que si vous faites ça, oh, c'est magique, une vitre. Voilà, C'est tout. mais oh, j'oublie la prise quand même. Bon, tapez la partie Bah 2. toi, tu fais exploser la TNT. Non, t'es con, quoi. La partie 2 sera sans facecam. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Vous voyez le délire un peu? C'est quoi la facecam? Et un facecam, c'est quand tu montes ta tête en filmant. Tu vois, généralement, les mecs te traitent de moche. Voilà. Voilà. Puis Y a un vieux poulet. quand t'as fini ça, tu fais un putain de toit. Pour ça, tu prends des blocs de bois et Des dalles de bois. comment tu fais ça? Rajoutes un bloc ici. J'ai dit un bloc, fils de pute. Hein? Comme ça. Merde. Dessus, et tu rajoutes un bloc. Et tu enlèves ceux en dessous. Tout simplement. Allez! Puis, Tu rajoutes un bloc comme ça. tu vois que ça fait pas très beau et tout, hein. Mais ça, tu vois, on s'en bat les couilles. Tu rajoutes un. Puis, tu mets des dalles. Voilà. C'est trop beau. Ça donne ça. Alors, pour ajouter des trucs, tu mets encore des dalles ici. Et voilà, t'as ton toit. Eh ben non, je rigole, MDR. Voilà, tu vois, quand t'as fait ça, hein, eh ben tu fais une longue ligne de bois, de chêne. Comme dit Alexis. Tu rajoutes tout ça de bois de chêne. Et on voit qu'on a déjà à peu près une forme de toit, même si c'est pas du tout ça qu'on cherche. Voilà. Là, tu rajoutes encore des dalles. Parce qu'on aime bien les dalles. On va pas oublier que c'est un bois de bar. Et dalles dans ton cul. Voilà, et puis tu rajoutes ça comme ça devant. Ça, c'est pour la déco. On s'en fout sinon. Voilà. Mais, tu vois, quand t'as fait ça, de pète de dalle de merde, et de pète de bois de merde, eh ben tu rajoutes un bois ici. J'adore comment il se fait victimiser par des dalles. Mais non, encore ça, regarde ça, t'as vu, il se pose sans rien. Alors, voilà, quand t'as fini ça, ben ça donne ça. Ce qui est moche. Ce qui est très beau. Puis quand t'as fini ça, et que t'es tout content, et qu'un putain de bout de bois se pose, eh ben tu vas remettre une, deux dalles, comme ceci. Oui, mais ça c'est pas ma faute. C'est la faute de Mojang.
Tu vois ce que ça donne? Un Oui, c'est de toit. la merde. Ça donne un putain de toit de merde. C'est vrai. Goodness, my J'adore friends. le vieux poulet qui est juste là. Bref, tu fais ça, tu vois. Tu fais tout monter. C'est très, très simple. Quoi cette vieille voiture de merde qu'on entend? Je sais pas, je m'en bats le steak. Bref, tu fais ça jusqu'à quand ce soit fini. Smith Gaming est arrivé. Schmidt Gaming, il est là. Bref, on s'en fout de lui, il est moche. On continue notre putain de vidéo de merde. On fait ça, on fait ça. Putain, t'es sérieux là? T'es con quoi? Bref. Et puis quand t'as fait tout ça, tu rajoutes jusqu'à la limite. À la limite, tu stops. Ça va donner un truc comme ça normalement. Moi j'aime bien. N'oublie pas, c'est moche, ça je le sais très bien. Mais on est dans quel bar? Bédarville! Voilà. Vois pourquoi c'est un toit comme ça maintenant. Parce que c'est moche. Je C'est. préfère Richeville. Oui, c'est sûr. Moi je vais. L'architecture est beaucoup mieux. Oui, ça va vous donner un vieux toit comme ça. Et ce que tu vas faire, tu vois, ce que tu vas faire descendre de 1, déjà de 1, MDR, et encore de 1. Parce qu'il n'y a plus de respect. Et puis tu prolonges de 1. Ça va donner un truc comme ça. Voilà. Et quand t'as fini ça, et c'est, tu vois, tu remplis une dalle. Fils de pute. Une dalle. Et puis le reste, tu le remplis en vitre. Pourquoi les vitres? Parce que c'est bon, les vitres. Voilà, tu remplis de vitres. Bon, pas ici, parce qu'ici, il va y avoir un bout de bois. Hein? C'est pas ma faute, c'est le directeur qui l'a dit. Puis tu vois, t'as un truc comme ça. Non, 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 je vois pas. Bon, Alexis Nopère, il voit pas, mais ça, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est biglot depuis la naissance et il y peut rien. Pas des boules de cul, et alors? Alors là, je viens de m'en faire insulter. Alors, Pikachu, Louis, se croit thug. Victimbolos. Victimbolos. Oui, tu vois, quand t'as fait les trucs des vitres. Oui, c'est bon, on veut pas savoir. Placement de produit. C'était quoi ton truc de merde là? C'est passé quoi en placement de produit? Non. Je suis bigleux comme toi. Non, c'est pas vrai ça, moi je suis pas bigleux. Si, tu es bigleux. Si. Bref, voilà, ça va vous donner un superbe toit magnifique. C'est vraiment trop beau. Rien à dire. Pikachu vient de me mordre. On s'en bat les couilles de ta vie. Ouaf. Ouaf. Dougie dougie. Dougie dougie. Je connais même pas le truc. Bouffe la bave de Louis. Tu commences à me faire chier, toi. Ben va aux toilettes alors. Alors, Alexis, le trou de cul, je crois que c'est comme Pikachu. Voilà.
Alors ici, quand on a fini ça, ben, on a fini. Et voilà, nous avons un superbe toit de restaurant pourri. Ça te ressemble beaucoup. Si tu veux. Alors voilà, nous avons un toit. Un truc bizarre. Et un grenier. Donc en fait, le grenier ne sera accessible seulement bah, par les putains de travailleurs de ce putain de truc de merde. Voilà le grenier. Il est trop beau. Merde, j'ai appuyé sur la plaque de pression. Et voilà, ici c'est là où ils entreposent toutes leurs conneries. Voilà, l'épisode, eh ben, il est fini pour aujourd'hui. Et on s'en bat les couilles si vous n'avez pas aimé. Tout ce que je veux, c'est que tu lâches un pouce bleu, sinon je t'aime pas. Hein? Non, sérieusement, ce serait super sympa si vous lâchiez un pouce bleu et lâchiez un pouce rouge sur le roi des games. Ça serait cool. Fuck. Donc voilà, quand vous aurez fini ça, hein, partagez et abonnez-vous. Encore mieux. Ça serait vraiment le top. Et puis, la prochaine épisode, on se retrouvera sur Richville. Allez, c'était Nicolas, Manor Gaming et Pikachu Louis en compagnie de personnes. Et on vous dit salut.